Bonsoir, bonsoir à tous les amis, Franck, Nicolas, j'espère que vous passez une belle semaine. Réflexion en ce moment sur l'année que vous voulez vivre, vous le savez. Le début d'année est souvent propice à cette capacité de prendre du recul, énormément de recul. Et bien souvent, le recul nous manque pour faire nos choix pour notre propre vie, c'est-à-dire qu'on gère plus les urgences des autres. On gère plus ce qui est important pour les autres et quasiment plus ce qu'il est pour nous, leader, entrepreneur, papa, maman, étudiant. Vous êtes peut-être en recherche d'emploi, peut-être en train de vous poser des questions pour l'avenir. On en parle aujourd'hui en direct et probablement que vous pourrez voir. Bonjour Mélinda, bienvenue. Bonsoir Ed, bonsoir, bonsoir. Alors c'est une vidéo évidemment un petit peu plus tard hein, pour tous mes amis nord-américains, tous mes amis qui sont Canada, États-Unis, Caraïbes, on est dans ce créneau horaire-là ce soir, parce que je voudrais réagir à tous ces gens qui ont le sentiment en ce moment qu'il n'y a plus d'espoir, plus de capacité de rebondir. Et beaucoup de gens baissent les bras en ce moment sur cette incapacité de faire preuve de résilience, de se réinventer, et de se reprendre en main. Et donc voilà pourquoi j'aimerais vous partager ce soir quelques éléments de réponse qui peut-être vont vous amener à avoir un peu plus d'oxygène pour le reste de votre semaine, peut-être que ça va vous inspirer pour la suite. Et on va commencer par se dire un petit bonsoir. Si vous êtes en rediffusion, évidemment, tous les Européens, je pense Europe, Afrique, bon, vous laissez un petit message dessous, un petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis vous participez à la discussion que nous avons constamment. Mais alors qu'on est dans cette période, voilà ce que font la plupart des gens. Ils font ça. Voilà. La plupart des gens font ça. Même ça. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'ils font. Ouais. Tu vois, ils font ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas voir. Ils font ça dans leur business. Souvent, ils ont besoin de créer une petite activité. Ils laissent tomber. Ils l'abandonnent ou ils n'osent pas se lancer. Augmenter un peu ses revenus pour augmenter le niveau de choix. Hein. Argent n'est pas égal pas du tout égal à bonheur, il est égal à choix, vous l'avez compris. Donc augmenter ses revenus, c'est augmenter ses choix, une possibilité de choix. Choix de travailler avec qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Le choix de faire ce que vous voulez faire exactement tous les jours avec votre famille. Le choix de peut-être être beaucoup plus mobile en ce moment. Moi, j'ai une vie de toute l'année, peu de gens le savent, mais... j'ai une vie d'expatrié. Je ne vis pas toute l'année à Miami, je ne vis pas toute l'année à Montréal et je ne vis pas toute l'année dans les Caraïbes. Je suis un habitant du monde. Et ce choix, je me le suis offert sur un plateau après des dizaines d'années d'efforts de travail. D'accord ? Et c'est de cela dont on va parler ce soir. Je vais vous donner deux, trois éléments de réponse, peut-être qui vont vous amener à comprendre que tout va bien en vous. Il n'y a rien qui est cassé. Et je ne vous souhaite pas d'être malade, notamment suite à ce qui se passe en ce moment. Je vous souhaite que vous et vos proches soyez en santé et que vous le restiez, évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas cassé. Tout va bien en vous. Certains industriels, médias ou autres professionnels pourraient vous laisser à croire que vous êtes cassé. Que quelque chose est pathologique chez vous, il n'y a aucune pathologie, aucune névrose forte. Peut-être quelques névroses légères, mais vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas malade, vous comprenez? Et souvent, on a tendance à se croire complètement cassé et malade, tout simplement parce qu'on ne contrôle plus l'environnement. Beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment ont la fâcheuse habitude, alors ça, c'est votre problème. La fâcheuse habitude, il y a plein de mauvais réflexes, mais il y a une mauvaise habitude que vous avez, c'est celle de vouloir tout contrôler. Vous voulez tout contrôler. C'est-à-dire que quand quelque chose ne se passe pas comme vous le voulez, eh bien vous lâchez du lest. Quand quelque chose ne va pas comme vous voulez, vous vous en voulez. Je répète, quand quelque chose ne se passe pas comme vous en voulez. Et après, vous vous en fermez. Ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous vous en voulez. Et vous vous enfermez. Au lieu de vous envoler. Vous comprenez le jeu? Eh bien, c'est ça. Quand ça ne se passe pas comme vous voulez, vous vous en voulez. Et vous vous enfermez sur vous-même.
au lieu de vous envoler. Tout va bien, vous n'êtes pas cassé. Le Covid, vous vous en protégez. Les mains, quand c'est dans des lieux plus fermés, le masque, distanciation. Ok. Maintenant, reprenez le contrôle. La plupart d'entre vous, en ce moment, vous êtes dans la distanciation physique, c'est très bien. Mais vous êtes, bonjour à nos amis du Japon aussi, qui ne nous voient pas souvent en direct. Bonjour Anthony du Japon. Vous êtes dans la distanciation physique, normes sanitaires obligent, mais vous êtes surtout dans la distanciation physique et intellectuelle avec vous-même. Vous vivez à côté de vous-même depuis mars 2020. Au lieu de passer à l'offensive, d'investir, de prendre des formations, de promouvoir votre entreprise, de faire du marketing, du branding, de la vente, d'aller à l'offensive, d'embaucher des gens, de démarcher des prospects, d'investir dans votre business. Eh bien non, vous êtes dans le retrait. Vous êtes dans la contraction au lieu d'être dans l'offensive. Et ça, c'est un problème que vous avez. C'est-à-dire que les gens vont investir en bourse en général quand tout va bien et vont complètement laisser tomber quand tout va mal. Alors que c'est dans les moments difficiles qu'en bourse, on va pouvoir s'en sortir très différemment des autres. Et je parle de l'immobilier. C'est dans les moments d'effondrement immobilier que l'on doit faire des achats dans l'immobilier. C'est dans les moments où ça va mal dans votre couple qu'il faut redoubler d'efforts et pas partir. Et voilà ce que fait le grand public. Suite à un impact, à une nécessité d'être livré à lui-même, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux choses. Un, ils vont s'isoler. Les gens vont s'isoler. Et ils vont vivre dans la contraction. Dans le recul. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement important que vous puissiez comprendre qu'il faut absolument que vous appreniez à vous dominer, trouver vos méthodes. Là, hier, vous savez qu'on a fermé le programme de coaching starter. Bon, il est fermé maintenant, hein, je ne peux plus vous le proposer. C'était qu'une fois par an. Mais beaucoup de gens regardaient que le prix et pas ce que ce programme allait leur amener. Et ils ne voient pas du tout ce que tous les jours, ce qu'ils font, combien ça leur coûte. Le manque d'informations et de bonnes informations, ça vous coûte une fortune. Mais non, vous regardez le prix d'un livre, le prix d'une formation. Quand il s'agit d'acheter un vêtement, de dépenser de l'argent dans des restaurants, des sorties et des appareils électroniques, dont les derniers portables et les derniers téléphones, ah là, il n'y a pas de problème. Là, j'ai de l'argent. Et vous allez me trouver dur avec vous, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire du tout. Ne faites pas ça. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais si ça marche pour vous, tant mieux. Mais si ça ne marche pas pour vous, peut-être que je serai vous, je me dirai, peut-être que je vais changer. Peut-être que je vais changer de stratégie cette année. Vous comprenez? Allez, on se dit un petit bonjour. On en parle aujourd'hui en direct. Je prends vos questions-réponses. Vous êtes dans plein de pays en ce moment. J'imagine plutôt sur la côte Canada, États-Unis et Antilles-Caraïbes françaises. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui parlent un tout petit peu le français aussi, Amérique du Sud, beaucoup d'expatriés, je le sais. Donnez-moi votre prénom, votre ville, même en rediffusion, marquez votre prénom, votre ville, votre prénom, votre pays. La ville, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir des gens qui habitent dans la même ville que vous et vous allez connecter les uns les autres. Ce que je veux, moi, pour 2021, c'est vous aider à rompre avec l'isolement. Beaucoup d'amis qui sont d'Haïti aussi, qui nous regardent chaque année. Mais il y a Bruxelles aussi. Alors Bruxelles, il est tard à cette heure-ci. Hein. France aussi, Jean-Baptiste. Ah oui, d'accord. Bon, il y a des couches tard. Ce que je veux cette année, c'est vous aider à vous impacter les uns les autres. Ce que je veux cette année, c'est que vous compreniez que notre organisme de coaching et de formation, on produit des événements en leadership, entrepreneurship. On est le premier producteur francophone dans le monde d'événements publics en leadership, entrepreneurship. Le premier. Nos salles remplissent entre 7 et 10 000 participants. Et on en est très fiers de réunir autant de monde. On produit aussi chaque année des audios, des vidéos, des programmes, si vous voulez,
de coaching, des programmes de formation en vente, en marketing, en entrepreneurship, en leadership, en confiance, en mental, en psychologie, pas le mentalisme, mais en psychologie leader, en mental de leader. Toute l'année, on produit de nombreux programmes qu'on offre à des dizaines de milliers chaque année. Voilà qui on est. Et je suis auteur best-seller de plusieurs livres, dont le livre « Confiance illimitée ». Et voilà, je suis un papa, père de deux enfants et marié avec la même femme depuis 20 ans. Et j'ai une vie aujourd'hui que je voulais depuis longtemps, mais à écouter ce petit pitch que je viens de vous faire, eh bien, vous pourriez dire « Franck a eu de la chance dans sa vie, ça a été simple pour lui ». Et non, non. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette fin. Et c'est pour ça que je me permets, entre guillemets, vous m'écoutez en ce moment, vous ne m'avez pas choisi, vous ne me connaissez pas la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas l'un de mes étudiants et peut-être que vous n'en serez jamais un. Donc, je n'ai pas la prétention de faire preuve d'arrogance en ce moment en vous disant « voilà ce que vous devez faire et j'ai la science infuse ah ». Ah non, ce n'est pas ça vraiment le truc. C'est un partage d'un entrepreneur qui fait ce métier dans le coaching notamment depuis 25 ans et qui veut simplement impacter, aider les autres. Et peut-être que ce que j'ai à vous dire, il y aura… J'en sais rien, peut-être une idée, je ne sais pas combien de temps on va parler ensemble, mais peut-être qu'il y aura une idée, une phrase qui va vous impacter. Et peut-être que tout ne sera pas nul, vous comprenez? Et c'est ce type d'ouverture d'esprit que je veux que vous ayez en 2021. Vous comprenez? Je n'ai pas la prétention de vous dire « Oh là, mais attends, là, ça ne va pas du tout cette histoire-là. Oh là, attends. » Moi, je trouve que c'est trop difficile de réussir sa vie. C'est trop difficile de faire des efforts. C'est trop difficile, attends, d'aller au sport tous les jours. Alors Franck, tes conseils, tu peux te les garder. Mais ce n'est pas des conseils que je vous donne. C'est un partage d'expériences de vie que vous pourriez avoir de votre oncle, de votre cousin, de votre frère et de votre meilleur mentor. Je vous dis un truc. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas malade. Et selon le pays dans lequel vous êtes, on peut vous laisser à penser que vous êtes malade et cassé, que quelque chose profondément ne va pas chez vous. Mais ce qui ne va pas, vous l'avez compris, c'est vos habitudes. Dans cette période de crise économique et sanitaire, ne jouez pas défensif, jouez offensif. Vous comprenez? Une nouvelle fois, je vous ai dit, on a fermé un gros programme de coaching hier qui dure 5 semaines et je m'occupe maintenant de mes étudiants. Ils sont des milliers dans 49 pays. Et ils me disent, Franck, on a fait le bon choix, mais dans cette période de crise, ce n'était pas un choix si facile. Les gens qui ont pris le programme Starter, ce n'étaient pas des multimillionnaires. C'est des gens qui ils vont faire moins de restaurants, ils vont faire moins de sorties, acheter moins de téléphones portables, acheter moins de vêtements, moins de conneries. Ils vont faire des efforts. Il y a des gens qui dépensent 200 parfois par mois en restaurant ou 300 en restaurant. C'est un truc de fou. Et vous disent après, ce livre est trop cher. C'est ça, jouer défensif. Cette année, trouver le moyen. Alors là, j'enseigne dans Starter, mais maintenant c'est fini. Trouver vos autres mentors et vos autres programmes de coaching. Pour nous, c'est terminé pour Starter. Mais trouvez le moyen d'augmenter vos revenus. Faites-le tout seul. Allez à la bibliothèque. Trouvez-vous aider sur Google. Trouvez vos méthodes. J'espère qu'elles marcheront. Mais moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Je leur explique comment augmenter leurs revenus, comment avoir confiance en eux, comment avoir un doux équilibre entre le travail et la vie personnelle, entre le fait de s'épanouir en tant que femme et en tant qu'homme, tout en assurant leur sécurité, leur pérennité d'évolution pour les 10-30 prochaines années. C'est ça que j'enseigne. Par exemple, qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne le marketing, j'enseigne la vente pour les entrepreneurs, j'enseigne les médias sociaux. Je leur donne tous mes secrets depuis 25 ans pour être vraiment dans le cœur d'activité, dans la nature propre de leur identité. Et quand vous êtes aligné avec vous-même, là, vous pouvez augmenter vos revenus. Et là, vous pouvez peut-être créer une entreprise. Et j'explique à mes étudiants comment on crée une entreprise, comment on structure une entreprise, comment on lance une entreprise, comment on embauche, comment on crée son marketing, quels sont les logiciels qu'on utilise. Et ils travaillent sur ça, les étudiants de Starter, en ce moment.
et qui était, je dirais, un programme qui était ouvert, les inscriptions étaient ouvertes pendant un mois, depuis décembre, vous imaginez. Mais tous les gens qui n'ont pas pris Starter, ce n'est pas parce que la plupart m'aimaient pas ou ne s'aimaient pas ou manquaient vraiment d'argent. C'est que la plupart d'entre eux ne croyaient pas en eux. Ce n'est pas une question d'amour propre, c'est qu'ils ne croyaient pas en eux. Ils se disaient, cette formation, ça marche pour les autres, mais ça ne marchera pas pour moi. Investir 1000 à 2000 balles dans une formation. Alors, je ne sais pas dans quel pays vous êtes dans le monde. C'est vrai que 2000 euros ou 2000 dollars, quand on est en Afrique, ça en vaut le double ou le triple. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et quand tu crois en toi, quand tu sais que c'est proposé par un mentor qui fait ce métier depuis très longtemps et qui est le numéro un dans son industrie, et que tu as plein de témoignages, ben tes 2000 balles, tu sais très bien que ça va se transformer en 200 000 si tu te donnes à fond. Parce que tu n'es pas le premier à vivre ce programme. Mais tu ne le fais pas parce que tu ne crois plus en toi. Parce que tu te dis, ça ne marchera pas. Et je vous donne un exemple en vous parlant de l'un de mes programmes. Mais j'imagine que dans votre vie, vous avez plein de situations comme ça ou dans votre vie privée, vous pouvez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie et laisser passer cette personne parce que vous vous dites, ça ne marchera pas. Ce n'est pas fait pour moi. Vous avez envie de perdre du poids, vous faites du diabète ou du pré-diabète ou un diabète de type 2 et vous voulez arrêter le sucre et vous vous dites, ou essayez un nouveau protocole psychologique et alimentaire, vous vous dites, après tout, je laisse tomber parce que ça ne marchera pas. Vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas que cette recette, elle marchera pour vous, vous comprenez? Donc c'est une question de comprendre dans cette psychologie que vous avez aujourd'hui, parce que moi, je peux juste vous aider dans des discussions comme ça. C'est une discussion qu'on a toute l'année ensemble. Ce n'est pas des formations que je vous offre. Mes formations, c'est mes étudiants qui s'engagent dedans. Donc, tout notre processus, notre science, notre méthode, c'est dans nos programmes qui réunissent uniquement des gens qui ont compris ça. Que vous devez jouer défensif, mais pas... Non, que vous devez jouer offensif, mais pas défensif. Ce n'est pas le moment, en période de contraction économique, de jouer défensif. Une nouvelle fois, quand on est entrepreneur, on met de l'argent dans son marketing en ce moment. On met plus de temps pour faire du contenu. On se donne à fond pour développer son branding. Il y a le branding, il y a le marketing et la vente. C'est trois sciences différentes qu'on enseigne. Mais formez-vous. Allez à la bibliothèque si vous n'avez pas d'argent. C'est gratuit, les livres. Si vous avez le bonheur et le privilège d'habiter dans une ville qui accueille une bibliothèque municipale. Mais vous n'avez pas de raison de jouer défensif. C'est un réflexe d'un petit chien qui aboie lorsqu'il voit passer un gros chien et qui n'a aucune efficacité. Vous comprenez? Être positif, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Passer à l'action, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il vous faut la bonne psychologie, passer à l'action, mais stratégiquement. Parce que si vous n'avez pas la stratégie, vous allez vous épuiser et abandonner. C'est comme si vous avez la stratégie, mais pas la bonne psychologie. Vous aurez les outils, mais vous ne saurez pas faire. La plupart d'entre vous, vous êtes surdiplômés. La plupart d'entre vous, avec Google, vous avez accès à un maximum d'informations. Mais ce qui vous manque, ce n'est pas les informations. Vous en avez plein autour de vous. C'est que vous êtes complètement mélangés. Vous écoutez les médias, vous suivez peut-être 15, 20 mentors, des youtubeurs, des influenceurs, vous écoutez tout et n'importe quoi. Et ça vous perd et vous êtes dans le brouillard. Il y en a un qui te dit, il faut un régime keto, l'autre, il ne faut pas un régime keto, l'autre, il faut un régime toqué. Mais je fais comment pour perdre du poids? Parce que c'est tout et son inverse. Pareil pour la médecine, pareil pour la politique. Pareil pour votre état d'esprit, pareil pour votre confiance et pour vos finances. Vous êtes dans le brouillard, vous ne manquez pas d'informations, vous manquez de méthodes. Et dans mes méthodes, c'est la raison pour laquelle j'intègre toujours une approche complètement 360 degrés, une approche profondément holistique. C'est-à-dire que, bien sûr, j'apprends à des leaders, des employés, à avoir une très belle carrière, préparer le futur, ou à des auto-entrepreneurs, à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat ou à développer leur activité d'indépendant, ou à des entrepreneurs à passer de 5 à 10 millions, par exemple, en chiffre d'affaires, ce qui n'est pas beaucoup quand vous avez des équipes, croyez-moi. Quand tu es auto-entrepreneur, tu arrives rarement à ce montant-là, mais avec des équipes, c'est beaucoup plus facile, croyez-moi.
eh bien, 5-10 millions, ils plafonnent. Comment ils peuvent gérer leur entreprise avec des employés et augmenter les équipes et fidéliser les équipes. Donc, je travaille sur différentes problématiques et souvent, mes interventions, grand public comme maintenant, sont très simples. Sont en t-shirt, sont à bâton rompu, avec des mots très simples, avec très peu de choses techniques. Et c'est des discussions. Pourquoi je veux être très simple? Parce que je veux impacter un maximum de gens, pas que des gosses de riches. Mais il vous faut cesser ce réflexe de jouer dans la catégorie des 97% qui sont dans la défensive dès qu'il y a un problème. Jouer dans l'offensive. Il faut passer à l'attaque. Et ce n'est pas le manque d'informations que vous avez, parce que vous avez plein d'informations autour de vous. Mais beaucoup de gens, malheureusement, je donne un exemple. Il y a de plus en plus de gens qui s'inspirent de moi, notamment en Afrique et dans plein de pays, pas uniquement en Afrique, mais... Et qui me disent « Franck, je veux devenir coach comme toi, je veux devenir expert comme toi, je veux... » Et surtout, il y a un besoin de reconnaissance derrière. « Je veux être star comme toi. » Entre guillemets. Et ça me rappelle cette époque où j'étais journaliste en télévision et en radio pendant 15 ans. J'étais un journaliste encarté, avec une carte de presse. Et si vous saviez le nombre de gens que j'ai lancés en télévision, vous en seriez étonné. Et j'avais déjà cette fibre... Et j'étais déjà coach alors que j'étais journaliste, mais à temps partiel. Et en communication et médias entraînement, qui était mon métier. Et le nombre de jeunes qui m'ont dit « Franck, je veux passer à la télévision comme toi, je veux être connu comme toi. » Et en fait, je leur ai dit mais être présentateur, c'est pas ça le métier. Le métier, c'est être journaliste. Et tu peux être journaliste, apprendre la base du métier, le désir d'informer ton prochain, et être journaliste, reporter d'image, être journaliste d'investigation, être journaliste après dans différents médias, presse écrite, radio, télévision, être journaliste, reporter. Mais présentateur, c'est après. Et je leur ai dit, ce qui vous intéresse surtout, c'est d'être une star, c'est pas d'informer les gens. Mais c'est pas ça qui va te permettre de réussir. Parce qu'au moindre problème, tu vas laisser tomber. Et je le dis aux coachs, il y a plein de coachs que 20% de mes clients sont des coachs, ou même un peu plus cette année. C'est des gens qui veulent devenir coach, conférencier, etc. Et je leur dis, mais si tu veux devenir coach, conférencier, formateur, ou d'autres métiers nouveaux comme influenceurs qui vivent de la publicité, il faut d'abord travailler sur toi. Un bon coach travaille déjà sur lui-même, vous comprenez? Et c'est ça que vous devez mettre en place. C'est mettre en place une stratégie pour ne plus vous retrouver à laisser tomber au moins de problèmes et avoir quelque chose de profond, de fort, qui vous permette de tenir. Parce que dans les moments difficiles comme en ce moment, eh bien, j'étais très triste, mais il y a plein de gens qui auraient pu faire ce programme Starter et qui ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas cette vision. Il faut passer à l'offensive. Si tu n'es pas capable pour développer ton entreprise de mettre 2000 balles, tu ne pourras jamais en gagner 200 000. C'est impossible à jouer petit ou très très petit, parce que 2000 balles quand tu as une entreprise, c'est rien. C'est rien. Et le grand public, souvent, va écouter mes vidéos et va se dire bah, « je trouve ça sympa ce qu'il dit, mais je n'ai pas envie d'investir dans le moindre livre parce que c'est trop cher. » Et malheureusement, moi j'ai un côté où je veux aider la plupart des gens. Mais je sais que ce n'est pas possible. C'est vraiment complètement impossible. Donc voilà ce que je vous conseille cette année. Peut-être que ça vous intéresse ou pas. Je ne sais pas si la discussion vous intéresse. Mais la première des choses pour vous en sortir cette année, pour passer à l'offensive et ne pas rester dans la défensive, parce que beaucoup de gens restent dans la défensive, la première des choses, c'est ça. Ouais, je mets toujours des... Alors, je me couche avec des bruits de vagues et je me mets toujours des bruits soit de mer, soit de vagues, soit de nature, soit d'oiseaux. Je suis un gars très nature, comme vous le voyez. Bon, et je suis toujours dans la nature. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, écoutez-moi bien, j'ai quelques astuces à vous proposer. 99% des gens qui m'écoutent en ce moment ne les appliqueront jamais. Mais peut-être qu'il y a 1 à 2 voire 3% de la population qui m'écoute en ce moment qui va mettre en place ça. Première règle que j'applique à moi-même tous les jours.
quoi qu'il advienne, le matin, vous vous levez à l'heure prévue et vous vous donnez à 110%. C'est difficile, je me lève. J'ai pas envie, je me lève. Je dois appeler des clients, je le fais. Je dois faire du sport, je le fais. Je ne recule pas, je ne prends pas d'excuses. Je ne recule pas, je ne prends pas d'excuses. Et vous le savez, plus que jamais en ce moment, je vous recommande vraiment d'augmenter un maximum vos connaissances. Une nouvelle fois, vous avez Google qui est gratuit, vous avez la bibliothèque, vous avez des livres. Si vraiment on en est sur « j'ai pas d'argent, zéro argent, juste pour payer mon téléphone et mon internet », ok, ça ne me regarde pas, vous vous dites ce que vous voulez. Mentez-vous toute votre vie, ça ne me gênera pas. Mais vraiment pas, parce que je ne vous connais pas la plupart. Mais entre vous et moi, vous savez très bien que vous vous mentez en grande partie. Donc voyez, je vous le dis ce soir avec beaucoup d'amitié, et considérez-moi comme votre oncle, votre mentor, votre cousin, comme vous voulez. Mais quoi qu'il advienne, vous lâchez pas. Pas d'excuses. Cette année, pas d'excuses. Et je sais que ce discours très simple, vous pouvez l'entendre. Ne trouvez pas les excuses, on m'a critiqué, on m'a dit ça, les autres m'ont dit j'ai peur qu'on me critique. Il y a souvent la peur du regard des autres qui vous empêche souvent d'avancer en plus, mais vous avez un poil dans la main, c'est ça la vérité. Vous êtes des gosses de riches, la plupart d'entre vous, vous avez un toit pour dormir, vous avez de l'électricité, et encore pour demain sans aucun doute, vous avez de quoi manger. La plupart d'entre vous, peut-être que vous touchez même le chômage ou les aides sociales, la plupart d'entre vous même, peut-être que la santé est gratuite dans votre pays. C'est possible. Ou l'école peut-être est gratuite pour vos enfants. C'est-à-dire que vous n'avez plus vraiment faim. Alors, est-ce que ce que je suis en train de vous dire, c'est facile? Mais non. Est-ce que c'est injuste ce que je suis en train de vous dire? Mais oui, c'est injuste. Mais une fois que tu t'es dit, la vie n'est pas juste, et c'est super dur à faire, Franck, ce que tu dis, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas passer ta vie à pleurer? Mais est-ce que je vois l'une d'entre vous qui me dit, Franck, elle s'appelle Natacha, qui me dit, Natacha, Franck, c'est pas facile à faire, mais elle a raison. Là, on est en direct, et une jeune femme qui s'appelle Natacha, qui me dit, mais Franck, c'est super dur à faire, elle a raison. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait, Natacha. Mais la liberté a un prix. Avoir le choix, c'est payer le prix d'abord, Natacha, et vous tous, mes amis. Agir, c'est dur. Vous comprenez? Est-ce que des bonnes choses arrivent à des mauvaises personnes? Oui, et vice-versa. Il y a des mauvaises choses qui arrivent à des très belles personnes, mais enlevez-vous de la tête que la vie est juste. Ici sur Terre, ensuite, ça dépend de vos croyances, mais ici sur Terre, la vie n'est pas juste. Mais une fois que vous vous dites c'est dur, alors vous ne vous levez pas, vous ne vous levez pas, vous abandonnez, vous repoussez, des excuses. Ce programme de coaching, il est trop cher, ce livre, il est trop cher. Bref, l'acquisition de connaissances, ce n'est pas sympa, je n'ai pas envie, c'est trop dur. Je trouverai toujours une excuse, je préfère m'acheter un jean, je préfère m'acheter le dernier téléphone. Non, mais ça, c'est important, mais ça ne marchera pas chez moi. Mais arrêtez de trouver des excuses parce que ton téléphone, ta montre, ton sac à main, ta paire de chaussures, ton pantalon et ton dernier iPhone ou ta dernière Android ou ta dernière tablette ou toutes les conneries que tu achètes, quand tu n'as pas les moyens, c'est des conneries évidemment, eh bien, ce n'est pas ça qui va te permettre de réussir 2021. Écoutez-moi bien, vous connaissez la douleur de l'action. Vous connaissez la douleur de faire des efforts, mais vous êtes loin d'imaginer l'enfer que vous allez vivre dans la douleur des remords. Avoir des regrets, c'est bien plus douloureux que la douleur de l'effort. C'est un cauchemar, les regrets. Et quand il sera trop tard, tu diras « si j'avais su, mais tu savais ». Mais tu avais un poil dans la main.
et t'avais vraiment pas envie de te casser les fesses. Parce que quand tu appliques cette règle numéro une que je te donne aujourd'hui, ça durera ce que ça durera, mais tu y arriveras. Ça durera ce que ça durera, mais tu y arriveras. J'ai aujourd'hui plusieurs activités. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne me regardent pas, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Mais pour les entrepreneurs, ils vont comprendre. J'ai plusieurs entreprises. Eh bien, quand tu as plusieurs entreprises, tu as des responsabilités. Eh bien, il y a, je te l'avoue, des matins où je n'ai pas envie, moi non plus. Il y a des matins où je n'ai pas envie de me lever de bonne heure. Mon corps, il n'a pas envie. Il y a des matins où après mon sport, j'ai pas envie de prendre une douche glaciale, surtout en plein hiver. Il y a des matins où j'ai pas envie de faire mes 45 minutes à 1h, 1h15 de sport. J'ai pas envie. Je suis juste comme toi. Mais toute la différence, c'est que moi, je ne fais pas que parler bla, 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 bla. Oui, comme on dit, Inch'Allah, bien sûr. Il y a des moments où il faut cesser de t'écouter, retrousser les manches, mettre tes chaussures, sortir et faire du sport. Et se mettre en route. Donc la règle numéro une, c'est de cesser de trouver des excuses à deux balles et qu'au final, au bout de plusieurs années, que tu vas finir par croire. Il y a des mensonges que tu finis par croire. Je n'ai pas un corps qui est fait pour faire du sport. Je ne suis pas gros, je suis juste un peu dans bon point. L'argent n'est pas fait pour moi. Oh, moi, je ne suis pas un gars du matin, je suis un gars du soir. Bla, 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 bla. Alors là, évidemment, je suis en train de vous parler pour vous transférer l'information. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment ? Je suis chez moi et je travaille. Vous savez que je ne suis pas un blogueur amateur. C'est mon métier, c'est ce que je fais pour vivre, d'accompagner les gens. Et j'offre plus de 500 heures gratuites chaque année de discussions, pas mes programmes sont payants, mais de discussions pour aider les autres. Je fais des émissions de télé, des émissions de radio. Mais vous croyez que, là, ce soir, c'est un contre-exemple parce que j'avais très envie de vous parler, mais il y a des moments où je n'ai pas envie, je me dis, il faut le faire, il faut les aider. C'est ton engagement, il faut le faire. Là, je pourrais me regarder peut-être un bon livre en ce moment, je pourrais lire un bon livre en ce moment dans mon lit et penser à moi, je pense à vous. Et à toutes celles et ceux qui vont voir peut-être des milliers de personnes la rediffusion. Et il y a peut-être un mot qui va sauver une année de quelqu'un. Une phrase qui va peut-être faire un fucking de déclic. Et même les gens qui ne me connaissent pas, qui au final apprennent à me connaître, vont se dire, non, c'est la première fois qu'il fait un direct. Il dit qu'il est généreux, mais tu vas voir. Et ils apprennent à me connaître, ils se disent, holy shit, le gars, comment il fait? Alors, j'entends des fois, mais t'es pas vraiment multimillionnaire, t'as pas vraiment d'argent, toi, parce que sinon, tu serais pas aussi généreux. Parce que toi, si t'avais de l'argent, tu serais un vrai salaud. Hein, beaucoup de gens qui ont de l'argent n'ont plus besoin des autres et donc ne font plus semblant d'aimer les autres. Mais moi, j'aime vraiment les gens. Vous savez, dans mon métier, j'en ai vu arriver et sortir des gens qui étaient dans le milieu du conseil et de la formation. Ils arrivent, ils passent 5 ans, 10 ans, ils revendent, ils ferment les portes, ils repartent. Parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'enregistrer des vidéos, scriptées, de faire des trucs. C'est une mécanique pour eux, ce n'est pas un métier de passion. C'est une manne financière, c'est un métier comme tous les autres. Mais la grosse différence que j'ai trouvée dans ma vie, c'est qu'en apprenant à me connaître, je me suis dit, quel est le métier qui va te faire vivre? Mais vivre dans l'intérieur, pas uniquement financièrement. Et lorsque vous aimez vraiment les gens, et c'est mon cas, ben vous êtes dans un métier qui va demander cet humanisme. Et ça, ça m'aide à rester engagé, à me lever le matin. Alors trouvez votre pourquoi à vous aussi. Je vous parle évidemment de moi pour vous aider à trouver des exemples pour vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous coucher le soir, le cœur rempli?
Il y a les gars qui me disent, moi je suis un mec, cœur rempli, c'est un truc de fille. Et c'est les premiers à taper des scandales lorsque leur femme les trompe. Non, moi j'ai pas d'émotion. J'ai aucune émotion. Commencez par appliquer cette première recette et ensuite trouvez votre méthode de coaching pour savoir comment apprendre à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Trouvez votre coach, trouvez votre mentor. Et bien sûr, il va falloir passer un peu de temps, un peu d'énergie. Il va falloir prioriser. Et si c'est un programme de coaching payant, il va falloir le payer. Eh oui, il faut payer. Parce que tout travail mérite salaire, vous êtes d'accord? Alors pourquoi les coachs, eux, ils travailleraient gratuitement? Les enseignants sont payés pour transférer les connaissances. C'est mon métier aussi, je suis payé pour transférer des connaissances. Donc, et on n'est pas sur le débat maintenant, sur le fait que les gens sont prêts à payer du divertissement, mais pas des connaissances. Ça, c'est un problème des francophones. Et j'en ai parlé d'ailleurs le 11 janvier pour mon anniversaire, où j'ai fait une vidéo le jour de mon anniversaire pour rappeler que le programme Starter fermait ses portes. Et c'était chouette, c'était chouette. C'était un temps fort qu'on a vécu aussi ensemble. Mais j'aime bien aussi ces moments de direct comme là ce soir, parce que vous n'êtes pas nombreux et parce qu'on y a un petit groupe. Et je ne cours pas, c'est pas l'audience qui me... C'est pas parce qu'il y a plus d'audience que je vais être plus heureux, voilà. Et ironie du sort, il y a 6 millions de personnes que nous atteignons chaque mois, notamment rien que sur Facebook et Instagram, sans compter YouTube, LinkedIn, etc. Et finalement, c'est chouette de savoir que je peux impacter beaucoup de gens. Mais parce que c'est en moi, c'est dans ma génétique. Vous comprenez, quand vous faites un métier juste pour l'argent, mais vous faites comme ces gens, ces acteurs qui arrivent et qui repartent et qui font autre chose. Mais ce n'est pas un reproche. C'est que souvent, ils arrivent dans un secteur pour avoir un effet de levier, des crédits, etc., ou de l'argent, ou revendre et faire autre chose. Pourquoi pas? Mais moi, ce que je recommande à tous les aux dizaines de milliers d'entrepreneurs que je forme chaque année, parce que c'est ce qu'on fait, vous voyez ce que je veux dire? Chaque année, on accompagne des leaders et des entrepreneurs et on les aide à bâtir leur carrière et leurs affaires. Chaque année, on les aide en permanence à bâtir l'homme et la femme qu'ils veulent devenir. Toujours. Mais on les aide à se propulser en business, bien sûr, mais d'abord apprendre à se connaître. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas prêts à se retrouver dans cette dynamique de se connaître. Alors, il y a des gens qui me disent, mais Franck, tu fais un métier en or, toi. Et vous aussi, vous faites un métier en or, mais peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous aussi, vous êtes fait pour un métier en or. Mais un métier en or, c'est quoi? C'est un métier où vous avez le sentiment d'être utile, pas uniquement pour l'argent. Vous comprenez? Donc, le premier feedback que je pourrais vous donner, restez engagé à 110%, pas d'excuses, coûte que coûte. J'ai dit que je fais ça. Pour résumer. Moi, par exemple, je n'ai pas mon agenda avec moi, il y a une tête qui doit être sur mon bureau là-bas, je pense, sur la table, mais moi, je note dans mon agenda 110. En fait, j'utilise une méthode de coaching. Je l'ai laissé, non, je pense que je l'ai laissé peut-être juste ici, là. Je demande à ma femme si elle veut bien m'amener l'agenda 110. Parce qu'évidemment, on passe toutes les soirées ensemble. Et Karen va m'amener l'agenda 110 dans un instant. Mais j'utilise mon agenda 110 comme socle. Déjà, le programme Starter, je le fais chaque année. Et là, avec la famille, avec les enfants, merci beaucoup, chérie. Avec le programme Starter, on va le refaire chaque année. Moi, je refais le programme Starter chaque année. Benjamin, qui a 16 ans, il le refait. Julien, il a 15 ans, il le refait. Karen et moi, on refait le programme Starter chaque année. Voilà, chaque année, on change et on refait le protocole de coaching. Et je l'ai créé pour moi, ce programme, pour tout vous dire. Et il y a un autre élément que j'ai créé pour moi. Et ça m'aide beaucoup aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais toi, c'est inné. Toi, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Je peux vous dire que pour Franck, c'est facile. » Mais non! Je vous dis la vérité. Je suis comme vous. J'applique juste des stratégies.
Et les stratégies que je vous donne, la numéro une, parce que évidemment c'est une discussion, on ne va pas aller très en profondeur, et déjà, c'est déjà très long mais direct, mais restez engagé. La deuxième des choses, l'engagement c'est numéro un, pas d'excuses, vous y allez. Fatigué, vous vous levez. Fatigué, vous téléphonez. Fatigué, j'y vais. Deuxième des choses, il vous faut une structure de soutien. Trouvez une façon de maintenir le cap, de rester engagé tous les jours. Nous sommes des êtres humains. Évidemment que notre cerveau est extrêmement poreux. Poreux à l'environnement, je veux parler. Et poreux, évidemment, à la toxicité environnementale. Beaucoup d'entre vous, en plus, vous vous délectez encore. Peut-être pas vous, mais le grand public se délecte d'écouter en boucle les mauvaises informations. Est-ce qu'il faut être informé? Bien sûr. 5, 10 minutes. Mais l'information en boucle, Covid. What? Récession, problème, violence, on va tous mourir. Et à la fin de la journée, tu te lèves, t'as beau te lever comme un héros, tu te couches comme un zéro. On a un cerveau poreux. Donc il nous faut un système de soutien pour maintenir notre engagement, qui nous coûte une fortune. Vous parliez d'argent, je parlais d'argent tout à l'heure, de programme de coaching qui vous sauve une année. Et vous dites, 2000 balles, c'est trop cher. Mais tu sais combien ça te coûte, toi, tous les jours et tous les mois, toute l'année, de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir le bon mental, de ne pas avoir de créativité, de ne pas avoir les bonnes idées pour créer une activité ou pour t'en sortir, ou pour ne pas tenir le cap. Tu sais combien ça te coûte de ne pas savoir? Mais une fortune. Mais le grand public ne voit que pas plus loin que le bout de son nez. Vous comprenez? Donc vous avez besoin d'un système de soutien et trouvez le vôtre. Les discussions qu'on a ensemble sont sympas, mais il vous faut quelque chose qui maintienne tous les jours votre cap. Et moi, alors dans les solutions, parce que là, je suis grand public et je suis face à des gens qui mettront même pas 20 balles dans un livre. Alors des fois, j'ai même pas l'air crédible à leurs yeux parce que c'est des gens qui souvent veulent se divertir et qui veulent un bon moment avec Franck. Mais ensuite, c'était bien sympa ce qu'il disait. Mais en tout cas, pour celles et ceux, les 3% qui m'écoutent peut-être en ce moment ou en rediffusion, il y a cet outil que moi j'utilise qui s'appelle l'agenda 110. Alors ça, c'est mon agenda 110, donc je ne vais pas l'ouvrir, c'est à moi. Mais cet agenda 110, c'est ma méthode de coaching pour gérer ma vie personnelle et professionnelle et gérer tous mes projets. Et c'est pour ça que je l'ai appelé organisateur stratégique de vie. Il est assez luxueux d'ailleurs, parce qu'il est tout métallisé, il est magnifique. Et c'est vraiment un truc génial. Voilà. C'est l'un de mes systèmes de soutien. Là, je refais le programme Starter avec mes étudiants en ce moment. Ils ne savent pas, ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui le font, mais moi, je le fais en ce moment. Et on a attaqué aujourd'hui avec la famille. Et surtout, les garçons vont mettre surtout le paquet demain, dès demain. Mais on a commencé à regarder ce matin. Et bien, moi, je le fais, c'est un système de soutien. Il y a un autre programme qui est fermé aussi. Vous ne pouvez pas vous inscrire à ce programme qui s'appelle le programme Spark. Je le refais chaque année. Ma femme, mes enfants refont Spark chaque année. J'ai créé ces programmes pour moi. Parce que oui, l'astuce numéro 2, numéro 2, je l'applique pour moi. J'ai besoin d'un système de soutien. J'applique ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas un surhomme. Superman, c'est la télévision, c'est pas moi. Moi, j'ai besoin en numéro 2 d'un système de soutien. Et voilà comment je me suis dit, mais... Parce qu'à la base, beaucoup de gens qui se disent « Toi, t'es né comme un garçon très organisé. Hein. » Non, au fond de moi, je suis un artiste. D'ailleurs, si un jour vous voyez sur... Enfin, si vous n'êtes même pas prêt à mettre 20 balles dans un livre ou un agenda ou 30 balles, on ne se verra jamais. Mais je fais des événements qui font la taille de deux terrains de football, qui réunissent jusqu'à 10 000 participants. Et c'est des gens très engagés parce qu'ils ont l'avion, l'hôtel, le déplacement. Enfin, tu vois, ils ont vraiment faim, quoi. Et ils en ont pour leur argent, parce que c'est un show énorme qu'on leur fait. On est le plus gros producteur d'événements francophones. D'ailleurs, si tu veux avoir peut-être un aperçu du travail que l'on fait, va sur... je donne toujours cette référence de cette vidéo, parce que c'est très sympa. Va sur YouTube, ou peut-être que tu es sur YouTube en ce moment, j'en sais rien. Et tu tapes « Tournée 110 ». « Tournée » et « E » à la fin, « T-O-U-R-N-E-E »,« 110 »,« 1-1-0 ». Et tournée 110 2019, c'est la dernière qu'on a faite grand public avant le Covid. Et tu verras la taille de nos événements. Et en plus, on t'offrira un 30 minutes. C'était un 30 minutes d'un séminaire public
payant donc, hein, désolé pour ceux qui ne veulent pas payer, donc payant. Mais il y a des gens qui sont plus prêts à payer pour aller voir un spectacle d'humour et un chanteur pour 90 minutes, alors que moi, pour le même prix, ça dure une journée entière, mes séminaires, tu vois. Et ça leur reste à vie. Mais chacun ses choix. Et j'ai rien contre le fait d'avoir un artiste. J'adore faire les deux à la fois. Mais quand il faut faire des choix, il vaut mieux investir son argent dans des choses qui ramènent de l'argent, tu vois. Et vous irez voir cette formation. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin d'un système de soutien. Et moi, je considère que je suis devenu un expert dans ma capacité à voir ce qui peut me soutenir, ce qui peut m'aider. Et voilà comment j'ai créé cette méthode, parce que je n'étais pas si organisé que ça, je vous assure que c'est vrai. Le gars que vous voyez aujourd'hui, il n'était pas super organisé. Pas autant que ce que vous pourriez l'imaginer. Je vous assure que c'est vrai. Et je me suis dit, voilà pourquoi je me suis dit, tiens, il y a Yves qui a mis le lien de la tournée 110 justement. Et je me suis dit, Franck, il faut que tu te démerdes pour créer ta propre méthode de coaching pour gérer tes journées. Mais pas juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cocher, to-do list, to-do list, to-do list. Les to-do list, ça ne marche pas. Parce que tu fais une to-do list et malheureusement, à la fin de la journée, tu as encore plus de choses à faire que le matin. Donc, ça ne marche pas et ça frustre. Et je me suis dit, bon, alors comment je pourrais faire, moi, concrètement, pour trouver une méthode qui puisse m'aider à mettre en place mon quotidien sans pour autant peut-être me trouver dans une situation où je suis frustré à la fin de la journée. Et voilà comment j'ai étudié les meilleures méthodes de coaching et de gestion du temps et des priorités que j'ai pu trouver. Et j'ai étudié cela pendant 4 ans, pas à temps plein, mais pendant 4 ans. Et j'ai commencé à appliquer une méthode. Et je me suis dit, mais ça marche pas trop mal ce truc finalement. Et ça marchait pas trop mal. Et je me suis dit, mais je pense que je vais le faire ce truc là. Et puis je commençais à accomplir énormément de choses dans mes journées. Et j'ai affiné ma méthode jusqu'au jour où j'ai vraiment performé. Hein, je gère plusieurs entreprises. Je suis marié. J'ai deux enfants. C'est des ados. C'est du sport. Je voyageais beaucoup moins maintenant, mais dans beaucoup de pays dans le monde. Hein, je fais une centaine d'événements publics chaque année. Beaucoup d'entreprises privées qui achètent mes services. Mes services, peu importe le prix, parce que le grand public ne va pas comprendre pourquoi je pourrais facturer ce prix-là, alors qu'ils crèvent la dalle. Mais je facture à des gens qui ont de l'argent déjà et qui gagnent encore plus d'argent avec mes prestations. Donc rassurez-vous. Et j'offre tellement de contenu que je pense que je suis quelqu'un qui participe à un monde meilleur de par mon investissement. Et puis peut-être que vous reconnaîtrez que vous connaissez très peu de personnes autour de vous qui travaillent 80% gratuitement, tu vois, je ne pense pas. Et voilà comment j'ai créé ma méthode. Et mes étudiants m'ont dit, mais Franck, comment tu organises tes journées? Comment tu fais pour faire autant de choses, des séminaires, des événements? On le voit partout, c'est un truc de fou. Allez, dis-nous comment tu fais. Je leur dis, écoute, j'ai trouvé une méthode de coaching. J'ai trouvé ma méthode. Allez, Franck, dis-nous. Et pendant 6 années, on va dire 5 grosses années. Pendant 5 grosses années, ils ont répété et répété. Là, vous arrivez, peut-être que vous me connaissez depuis 1 heure, mais ils ont répété, répété. Et voilà comment j'ai dit, allez, ok, on le fait. Donc, j'ai demandé à mon équipe, graphiste, chargé de projet, marketeur, maquettiste, etc., de mettre en image et de donner vie à ce que j'avais dans la tête et comme méthode. Mais j'avais une méthode, si tu veux, artisanale, tu vois. Et comment est né l'agenda 110 comme ça? Et aujourd'hui, mon imprimeur est très content parce que c'est mon imprimeur qui gagne de l'argent là-dessus. Je ne fais pas d'argent avec ça. Et voilà comment on a rendu public. Et moi, ce que j'ai offert dernièrement quand j'ai créé l'agenda, c'est que j'offre avec un programme de coaching gratuit d'une valeur de 2 000 euros, 2 000 $. Dès qu'une personne achète le moindre agenda, elle a accès à ce programme de coaching gratuit qu'elle a en ligne à vie et d'une valeur de 2 000 euros, 2 000 $. Voilà. Parce que je voulais que les gens s'organisent mieux dans leur vie. Et si grâce à moi, ils s'organisent mieux, eh bien, ils m'en seront reconnaissants. Ils vont penser à moi lorsqu'il y aura un événement, lorsqu'ils auront un copain qui aura du vague à l'âme et qui aura besoin d'un coach. Bref, c'était une façon pour moi d'avoir un retour d'ascenseur, pas financier, mais de contribution. Et voilà comment j'ai créé ça. Voilà. Et voilà, c'est chouette. Et voilà comment...
j'ai créé cet agenda qui dure 2 mois. Donc, je sais pas, il coûte peut-être 30, 40 balles cet agenda, mais il dure 2 mois. C'est-à-dire que ça vous coûte 20 centimes par jour, tu vois, ou 30 centimes, ou j'en sais rien. Je sais pas, ou peut-être 1 euro par jour. Mais ça vaut le coup d'investir 1 euro par jour pendant 2 mois pour avoir cet outil de travail. Et une nouvelle fois, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est juste unique. Voilà. Et ça, c'est ma méthode. Mais peu importe, peut-être que vous avez déjà une très bonne façon de gérer votre quotidien, votre temps, et vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Mais moi, j'avais des problèmes de ce côté-là et j'avais besoin, en numéro 2, d'un système de soutien. Voilà. Et j'avais besoin d'un système de soutien. Et donc, trouver le vôtre, ça, c'est le, je dirais, le partage numéro 2 que j'aimerais vous donner. Trouver un système de soutien. Et je peux vous dire, il y a un autre système de soutien que je vous recommande de faire, mais une nouvelle fois, si vous êtes peut-être pas du tout dans un état d'esprit de croissance, mais plutôt de contraction et d'offensive, de défensive, je veux dire, vous ne serez pas là. Mais au printemps prochain, je vais organiser le premier séminaire virtuel que nous faisions présentiel, qui s'appelle le Weekend Spark. Et le Weekend Spark se tient chaque année à Montréal et à Paris depuis des années et des années. C'est le premier séminaire francophone en leadership et cette année avec le Covid, on ne peut pas le faire en présentiel. Et donc on s'est dit, et mes étudiants m'ont dit, Franck, s'il te plaît, fais-le en virtuel, amène le West chez moi, je n'aurai pas à me déplacer, je n'aurai pas de frais d'hôtel, je n'aurai pas frais de transport, je n'aurai pas de problème de visa, parce que West réunit des gens issus de 50 à 60 pays. J'ai dit non, le West virtuel, non, et j'ai dit oui. Voilà, et donc au printemps prochain, on offrira le Weekend Spark en version virtuelle. Donc les 97% des gens en ce moment sont déjà perdus, ils ne sont plus là. Et pour les 1% qui m'écoutent ou les 3% qui m'écoutent, retenez qu'au printemps prochain, on fera le Weekend Spark en version virtuelle et que je vous recommande de vivre pendant 3 jours intensifs uniquement en direct, avec un studio qu'on est en train de monter. On est en train d'investir $1 million dans la construction et dans l'élaboration d'un studio, un immense studio pour vous offrir cette expérience jamais égalée du Weekend Spark virtuel. Et vous allez halluciner, on fera ça sur Zoom, logiciel Zoom, et tout le monde se verra en simultané. Je vais vous mettre en relation avec le monde entier en simultané pendant 3 jours. Vous allez juste halluciner. Mais une nouvelle fois, c'est que pour une partie des gens qui m'écoutent en ce moment. Donc, quoi qu'il en soit, trouvez vos ressources. Trouvez vos ressources, trouvez votre façon de faire. Et une fois que vous aurez trouvé votre façon de faire, bah, je dirais que là, c'est terminé. Terminé. Trouvez votre façon de faire pour le point numéro 2. Trouvez un système de soutien. Et enfin, le troisième point que j'aimerais vous partager maintenant, je peux vous dire que le troisième point, vous allez me détester la plupart d'entre vous. Déjà, quand je parle d'investir dans des connaissances, les gens, alors là, je les perds. Oh non, si je demandais d'investir dans une crème miracle, une poudre miracle pour gagner des muscles, ou le dernier iPhone avec 10% de réduction, alors là, on se saignerait pour y aller. Donc, je sais que je ne suis pas très sexy quand je parle de connaissances, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et c'est ce qui aide des dizaines de milliers d'étudiants, parce que vous vous en doutez, je ne coach pas, je ne vends pas mes programmes à des étudiants d'une centaine de personnes chaque année. Notre entreprise, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes chaque année que l'on aide. Enfin, demandez autour de vous qui est Franck Nicolas, si vous ne me connaissez pas. Je préfère laisser parler les gens sur la qualité de nos programmes, c'est plus simple, Ou de nos événements que l'on produit. Le point numéro 3, vous allez me détester, c'est ce que je vous disais. C'est de ne jamais abandonner ce qui est pour vous capital. Je ne vous parle pas d'abandonner tout ce qui est de l'ordre de la poudre de perlimpinpin. Je ne vous parle pas de ne pas abandonner toutes ces choses auxquelles vous ne tenez pas. Je vous parle de cette règle numéro 3 qui guide ma vie tous les jours. Quand j'ai un projet qui me tient à cœur, je n'abandonne jamais. Jamais. Je peux vous dire que à partir du moment
où j'ai une idée en tête, elle ne sort jamais. Je suis né d'un quartier défavorisé, pas évident, dans le sud de la France, à Avignon, le quartier de la Grange d'Aurel. Vous regarderez sur Internet. Je ne suis jamais revenu dans ce quartier parce que ce serait beaucoup trop douloureux pour moi de revenir à Avignon déjà. Et ce serait trop dur pour moi de revenir dans mon quartier d'origine parce que c'est lié à trop de douleur. Ça a été un enfer pour moi, ce quartier. Un enfer. Et Avignon, pour moi, qui est une très belle ville, hein, mais ça a été un enfer pour moi, les amis, ce quartier-là. Très, très dur. Mais c'est à la fois ce quartier-là qui m'a rendu l'homme, qui m'a permis d'être l'homme que je suis. Et cette ville aussi. Et surtout, ce que ça m'a appris, c'est que j'ai réussi à me sortir de ce quartier, entre guillemets, et à devenir peut-être l'un des multimillionnaires de ce quartier, peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Et à finalement, à sortir d'un quartier difficile, où je contribue aujourd'hui. Je fais de mon métier le fait d'aider les autres. C'est pas mal d'être payé pour ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que mon quartier m'a appris, et ça c'est important pour moi, c'est ne jamais abandonner. Et en sortant de cette enfance délicate, pour être très pudique, et j'en ai reparlé avec mes parents, eh bien c'est d'avoir compris que le fait de ne pas abandonner ce qui compte pour vous, eh bien c'est capital. De faire peut-être ce que j'ai fait, de transformer une souffrance, une difficulté en force, en force d'inertie, en force de bien, en force pour le bien. Vous comprenez? Et c'est ça qui est important pour vous, c'est de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et je vais prendre peut-être 5 choses qui comptent pour moi très importantes. Je prends 5 choses qui sont très importantes pour moi. Et j'en prends une qui est plus importante que les 5 choses, que toutes les choses que j'ai vues. Vous avez vu, c'est très simple mon approche. Hein? Et celle-là, je ne la lâche pas. Ça peut être la santé. Ça peut être bâtir un couple et une famille. Ça peut être peut-être avoir un métier qui vous passionne, d'avoir envie d'aller au travail le matin. Moi, je souhaite à tout le monde d'avoir envie chaque matin d'aller au travail comme moi j'ai envie d'aller travailler chaque matin. J'ai besoin d'aller travailler chaque matin. Et je me lève entre 3h30 et 4h30, ou des fois, quand c'est plus difficile, à 5h maximum. Mais quand il est 3h30, 4h le matin, j'en peux plus. Il faut que j'aille manger la vie. Vous comprenez? De là où j'arrive, de ce quartier. Certains l'ont très bien vécu, ce quartier. Hein. J'ai revu des jeunes de ce quartier, un peu moins jeunes maintenant. Ils m'ont dit, mais oh, ça allait quand même. Mais moi, je l'ai très mal vécu, mon enfance, dans ce quartier-là. Eh bien là, je peux vous dire que vous comprenez que le fait de ne pas abandonner, ça vous sauve la vie. Donc voilà les éléments que je voulais très simplement vous partager aujourd'hui. Une nouvelle fois, je sais que cette vidéo, on fait une vidéo ce soir très tard, mais peut-être aussi que je voulais toucher d'autres personnes. Peut-être plus de gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de discours d'un grand frère, peut-être, ou d'un oncle, je ne sais pas quel est votre âge. Mais peut-être que vous avez besoin d'un grand frère cette année, ou d'un mentor, ou d'un coach, peu importe votre besoin. Et pourquoi pas ce type de feedback, de témoignage, hein? Vous ne m'avez pas accepté comme coach dans votre vie, vous n'êtes pas mes clients, vous n'êtes pas mes étudiants. J'arrive ici sur votre page ou sur votre chaîne YouTube ou Facebook, par hasard. Donc c'est simplement un témoignage de ce que j'ai vécu. Et puis peut-être qu'il n'y a pas autant de multimillionnaires comme moi, parce qu'il y a toujours, je ne suis pas Bill Gates, hein, mais peut-être qu'il n'y a pas autant de multimillionnaires comme moi qui veulent continuer d'aider les autres parce qu'ils se rappellent d'où ils viennent. Et qu'ils ont peut-être beaucoup d'autres choses à faire et de savoir quelle est leur prochaine robe Prada à mettre ce soir pour la soirée, quoi.
Et je vous assure que c'est vrai parce que je rencontre des gens qui ont beaucoup d'argent tous les jours et qu'ils ont une superbe expérience, mais ils n'ont aucunement envie de passer du temps pour les gens qui ont moins qu'eux puisqu'ils ont tout. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent si t'es aussi généreux, c'est parce que t'as pas vraiment d'argent, Franck. Parce qu'ils sont intimement convaincus que eux, s'il y avait de l'argent, ils deviendraient de vrais salauds. Et je vous assure que c'est vrai. Quand vous pensez que quelqu'un fait quelque chose et que c'est concevable dans votre esprit, c'est que vous êtes ainsi. Alors voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme partage. Peut-être aussi que ce partage d'expérience dans cette ambiance de fin de journée va vous aider à vous relaxer. Peut-être que vous écouterez ça peut-être une prochaine soirée, une prochaine après-midi aussi. Et que vous mettrez probablement en pratique peut-être tous ces éléments de réponse. Et pour celles et ceux qui veulent s'en sortir et qui ont besoin d'une méthode, allez sur agenda110.com. Vous avez vu, l'adresse, elle est très compliquée. Hein. Agenda110.com. Prenez votre agenda dans les 40 balles. Ça vous fait 1 euro par jour. Non, même pas, ça fait 50 centimes par jour. Ça dure 2 mois. Investissez 50 centimes par jour. Si tu ne veux pas mettre 50 centimes par jour, je ne peux plus rien pour toi. Je vous embrasse. Lâchez pas. Lâchez jamais. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cette discussion simple aujourd'hui, c'est tout va bien chez vous. Vous n'êtes pas cassé et vous n'êtes certainement pas malade. Enfin, j'espère que vous n'avez pas le Covid ou d'autres virus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mentalement, ne laissez pas les gens qui pourraient vous laisser à penser que vous êtes un peu fêlé. Comme on dit dans le sud de la France, puisque je suis né à Avignon, que vous êtes fada. Fada, ça veut dire un peu fou, vous voyez. Tout va bien chez vous, je vous embrasse.